Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne sur Nos TV. On est très content de vous retrouver ce soir, malheureusement, pour débriefer un match nul. Bonsoir Jean-Luc. Chiz Arnaud. Oui, ben, bonsoir, c'est la 68e de série et surtout, mon Gilou, c'est la 15e de la saison. Un numéro qui t'est cher. Ouais, joli numéro. Hein. Salut Jackie. Il est fidèle au poste. Oui, ben fidèle, même si c'est pas facile. Hein, on aurait préféré que ça soit autrement, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport. Et mon Gilou, il est remonté comme un avion, ce soir. Non, des choses à dire. Ah, t'es un peu chaud quand même. Hein. Chauve, oui. Chauve, oui. Et oui, parce que malheureusement, ce soir, il va falloir débriefer un match terriblement triste. Nul. Va pas dire nul, on va dire à égalité. Effectivement. Résultat à égalité, ça évite de dire nul. Et avant ça, je souhaite débuter cette émission, avant d'attaquer le débrief, par un hommage, par une mise à l'honneur, je dirais, de Jordan Lardet, qui est un joueur numéro 15 aussi, comme notre ami Gilou. Et joueur du CS Gerza, cher au président Jean-Paul Vallée. Qui a été très très courageux récemment et qui a fait, ça aurait pu lui coûter la vie, car il a volé un petit peu au secours de jeunes femmes qui se faisaient agresser en sortie de boîte de nuit. Et très très courageusement, il s'est interposé, a pensé avoir réglé le compte de l'agresseur, mais malheureusement, en prenant soin d'une des jeunes filles agressées, s'est fait larder de deux coups de couteau. Larder, c'est ça. C'est un mauvais jeu de mots. Et donc, du coup, aurait pu perdre la vie parce qu'il a eu beaucoup de chance, finalement, dans son malheur. Et donc, on va lui souhaiter déjà un prompt rétablissement et surtout, encore une fois, lui rendre hommage pour son courage parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis on espère qu'il se remettra bien de tout ça et peut-être même qu'il pourra venir sur le plateau d'ailleurs avec les dirigeants de Gerza pour mettre à l'honneur son club de rugby aussi. Voilà. Grand bravo. Mmh. Chapeau. Et donc on va du coup maintenant embrayer sur le débrief. Et oui, donc ce match a fait beaucoup parler déjà avant de jouer parce que on avait pris une grosse fessée à La Rochelle et que tout le monde espérait une réaction à la maison. Mais, dans les propos d'Urios, à la sortie du match de La Rochelle, on sentait vraiment déjà le traquenard et même lui le sentait bien, j'avais l'impression, parce que... Il nous a beaucoup parlé du fait qu'en ayant loupé ce match à La Rochelle, les Oyomen s'étaient sentis revigorés alors qu'ils avaient la tête au fond du seau après cette défaite à la maison contre Paris. Contre qui ils ont perdu à la maison, je ne me rappelle plus. Toulouse, on avait perdu. Oyonnax. Oyo avait perdu à la maison, je ne sais plus contre qui, mais on va nous le rappeler à nos amis internautes, s'il vous plaît. Et j'ai l'impression que Rios nous annonçait un petit peu par avance le match traquenard avec... on nous parlait déjà du mauvais temps qui allait arriver. Il l'annonçait pas, mais il connaît bien cette équipe d'Oyonnax. Il sait que c'est une équipe valeureuse, qui sait s'engouffrer dans les failles quand il y en a, et tout de suite, la faille, elle est béante à la SM, donc... Ils ont fait leur match. Ils ont fait un vrai match à l'extérieur et un vrai match sous la pluie. C'est l'USAP qui avait gagné à Lyon. Voilà, l'USAP est allé gagner à Lyon. Et précédemment, ils avaient perdu à Lyon. Et c'est vrai que le temps a fini de les arranger. Et une remarque de Tifosi 7 d'ailleurs, que l'ASM n'a gagné qu'un match de plus qu'Oyonnax cette année dans ce championnat. Donc c'est dire, du coup. Espérons que ça dure jusqu'à la fin de saison. Voilà, oui. Donc effectivement... Tout annoncer le match traquenard, y compris, donc ça s'est confirmé, un temps pourri avec des bourrasques de vent et la pluie à plein seau. Et effectivement, est-ce qu'on n'était pas préparé à ça? Je ne sais pas. En tout cas, il nous a manqué un peu tout pour gagner ce match
Parce qu'encore une fois, à un moment, ça bascule en notre faveur. Et puis, il manque de marquer dans les zones de marque. Et ouais. On a eu l'occasion à 3 ou 4 reprises de le faire. On ne le fait pas. 2 fois dans les 20 premières minutes. T'es contré sur les phases de conquête. Hein. T'es pas présent sur les phases de conquête. Sur les phases de combat, les rucks, t'es pas mangé, mais pas loin. C'est un jour sans, parce qu'il y a un nombre de maladresses et de scories invraisemblables. Puis je pense que c'est un ensemble de choses. Effectivement, on parle beaucoup en ce moment aussi du discours de Rios, de sa rhétorique, etc., etc. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de tout ça. Il y a aussi le fait que tu composes une équipe avec des mecs dont le contrat n'est pas renouvelé. On n'est qu'au mois de février, enfin, on est mars maintenant, mais il se trouve que le rugby aujourd'hui, en début de saison, quasiment, tu annonces à des mecs qui ne seront pas là l'année prochaine. Il y en a 12, je crois, et sur les 12, il y en a 10 dont le contrat n'est pas renouvelé. Mmh. Et sur les 10, il y en a 7-8. Donc, quand même, certains sont des leaders. Enfin, je mets leaders entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, je me demande si on en a réellement. Hein. Ouais. Je pense même le contraire. Pour autant, des Moala, des Lavanini ont appris. Enfin, Moala, ce n'est pas son cas, mais oui. Lavanini, son contrat n'est pas renouvelé. Enfin, donc, tout ça, plus effectivement le manque de confiance qui s'installe, font que on se retrouve à des longs matchs, qu'on se retrouve sur des journées sans, où effectivement tu n'arrives même plus à mobiliser le collectif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas de recette miracle. Hein. Ce que je peux dire, c'est que juste on a aussi joué un peu, on a aussi connu des moments critiques, mais on avait la chance à ce moment-là effectivement d'avoir des leaders et puis d'avoir une âme collective. Là, la grande problématique, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une âme, quoi. Je me mets à la place un petit peu de Rios. On lui reproche un petit peu ses prises de parole, mais aujourd'hui, si tu peux plus parler, alors parler de manière un peu virulente aux Anglo-Saxons, clairement, on le sait, ils n'en ont rien à faire, ils s'en fichent complètement. Mmh. Parler de manière un petit peu virulente à des joueurs, à des jeunes joueurs, moi, je le rejoins un petit peu. Si on n'est pas à même pouvoir dire aujourd'hui, même à des jeunes qui ne sont pas au rendez-vous, qui ne sont pas bons, alors dans la forme, la difficulté aujourd'hui, c'est la récurrence de la forme. Peut-être que le discours de Rios, dans sa manière d'exprimer les choses, c'est un peu violent. Je pense que oui, il y a un petit peu de mais ça. Mais je pense que jusque-là, il ne s'était pas lâché et a hurlé sur les gars. Oui, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il hurle sur les gars. C'est pas ce que je veux dire, mais il a eu des propos. Alors, il y a parler aux gars et parler aux gars. Mm. Parler aux gars entre quatre yeux et leur dire les choses dans l'entretien. Une chose. Après, parler à la presse, comme il l'a fait récemment, oui. Sortir notamment du match de La Rochelle. Canal, ouais. Après, certainement, avoir dit quelques mots à ses joueurs, je pense que ça fait beaucoup. Quoi. Oui. À un moment donné, les mecs, ils se perdent un petit peu dans ce discours-là. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu le fait que les mecs manquent de confiance, effectivement. Et puis après, il y a peut-être aussi ce qui se passe autour. On ne sait pas, hein, on n'est pas au club aujourd'hui. Oui, hein. Oui. On a des dirigeants de club aujourd'hui qui ne sont pas issus du Sérail, hein. Faut pas l'oublier. Alors certes, on a un staff qui l'est, mais tout compte après hein, dans un club de rugby. Hein, mais donc, si tu m'autorises, Gilles, il y a aussi les planètes sont pas alignées et puis on récupère tout actuellement. C'est-à-dire que on n'est plus dans des conditions d'entraînement. Bonnard, puisque ce centre d'entraînement a brûlé. Ouais, mais bon, tu vas à La Rochelle, ton centre d'entraînement, il n'avait pas brûlé. Hein, donc... Si. Non. Ouais, c'était avant Toulouse. C'était le soir de Toulouse. Donc, tu n'as plus de centre d'entraînement. Tu reçois Oyonnax, il fait un temps comme à Oyonnax. Tu as prévu de mettre Urda. Ah, mais après, tu trouveras toutes les bonnes excuses du monde, Jean-Luc. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'excuses pour sortir des matchs comme ça. Ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Encore une fois, sur un terrain de rugby, t'es 15. Enfin, 15 plus les remplaçants aujourd'hui. Il n'y en a pas un, là. Il n'y en a pas un qui sort son épingle du jeu, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de leader. Et que ce soit des leaders de vestiaire, des vrais leaders de vestiaire, des leaders de jeu. Et on avait quelques joueurs, comme on disait, qui nous tenaient un peu la baraque. Et ces joueurs, ils n'y sont plus tout de suite. Tout de suite, ils sont rentrés dans le rang. Et en plus, celui qui t'amène un petit peu le pack tout de suite, c'est Kremer. Et Kremer, bon, tu ne l'as pas sur ce match. Voilà, c'est un des rares en ce moment qui est au rendez-vous. Tu parlais du staff aussi. On fait des changements sur la troisième ligne permanente. Moi, j'ai trouvé que, je l'ai souvent dit sur ce plateau, que Thibault Lanen faisait un excellent boulot en deuxième ligne. Mmh. Tu vas le glisser en troisième ligne. Je m'interroge pourquoi, parce qu'il a été...
entre guillemets, invisible. Mais à l'image de son collectif. Je veux dire, après, le staff connaît quand même ses joueurs. S'ils font ces choix-là, c'est qu'il y a une raison, il y a une juste raison. Après, c'est vrai qu'on a connu des matchs avec Lavanini et Simons où c'était un bel attelage, un très bel attelage. Et manque de peau, cet attelage, on ne le reconnaît plus. Là, on a perdu notre touche. Après, tu as aussi la problématique des gifs. Il y a des matchs que tu ne peux pas jouer sans gifs, donc ça veut dire que tu te prives de recrues et voir... On va à La Rochelle avec 19 gifs, et puis donc, après on arrive à jouer contre Oyo avec 15 gifs. C'est pour ça que j'englobais tout ça tout à l'heure en me disant que c'est un ensemble de choses qui font que, mais pour autant, l'âme quand même, l'âme du rugby, c'est le combat. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans la combativité, on n'est pas forcément au rendez-vous quand même. Après, on a aussi un problème de pied droit quand même, on se retrouve... avec un pied droit de 34 ans qui fait tout le match. Oui, Rabat joue tout le match. Rabat, il joue tout le match. Encore une fois, si on veut trouver des problèmes, on en a. T'as pas de pied droit, t'as pas d'ouvreur, tu vois. On pourra toujours trouver des excuses. Mais Moussa, n'est plus le mot à l'âge. Non, mais ça fait partie des gens dont on disait que c'était un leader. Et puis là, tout de suite, même nos leaders, mais je crois que Urios l'a dit d'ailleurs récemment, il y a des joueurs sur lesquels ils comptaient qui ne sont même pas à leur meilleur niveau aujourd'hui. Voilà. Pourquoi ils ne le sont pas? Moi, j'ai pas la réponse. Faudrait qu'on nous la donne, la réponse, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Alors, bien qu'effectivement, les conditions infrastructures ne sont pas au rendez-vous tout de suite, mais elles l'étaient auparavant. Ce n'est pas d'aujourd'hui que moi, là, il a baissé pied. Ça, on le voit arriver depuis un petit moment. Alors, oui, mais bon, la fatigue, il y a effectivement tenait, de la blessure. Il n'y a pas longtemps, on avait une moelle à la dépendance quand même. Donc, là, vraiment, on a senti vraiment qu'il était en dessous sur ce match, c'est sûr. Mais je crois qu'ils étaient tous... Je ne sais pas s'il y en a un qui a tiré son épingle du jeu. Une moelle à dépendance, comme tu as une Fritz Lee dépendance, tu vois... Moi, aujourd'hui, la profondeur de banc, elle n'y est pas. Je suis fortement déçu par ce recrutement qui me paraissait bon de ce Wakula. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas assez souvent? Mais là, je veux dire, il nous a rien apporté, quoi. Mais depuis qu'il est arrivé... Est-ce qu'il y a un match où il a apporté réellement quelque chose? Il a eu un match. Il y a des éclairs, tu sais. Par moment, Puis on dirait qu'il est perdu dans cette équipe. Alors, est-ce qu'on l'a bien intégré? C'est un tout, parce que c'est pareil, les joueurs de l'hémisphère sud, ils ont toujours un temps d'adaptation, plus ou moins long, avant de vraiment donner leur rendement. Mais là, ça fait un petit moment maintenant qu'il est là. Et c'est vrai qu'il tarde à nous apporter quelque chose. Parce que ça aurait été un vrai relais de Fritz Lee, parce que c'était pas une... Donc, un perdreau de l'année quand même. Quand tu vois les matchs qu'il faisait, il était là-bas, tu te dis, mais c'est pas le même, quoi. C'est pas possible, c'est un sosie qu'on a. Et puis tu parlais des joueurs partants et qui devaient être leaders. C'est, devant, moi, c'est ce qui est fou, c'est Thomas Lavanini, quoi. Thomas Lavanini, il devrait nous sauver tout de suite, quoi, dans ces matchs de combattants, là, où ça joue dans la flotte et dans l'air. Mais comme Paul aussi, Paul Gédrasiak, c'est quand même aujourd'hui un joueur expérimenté, qui lui, en plus, a l'ADN jaune et bleu. Ça devrait être aujourd'hui un des leaders de l'équipe. Paul s'est tenu la jambe, il me semble. Je me demande s'il ne s'est pas reblessé, Paul. Oui, peut-être, oui. Mais après, il ne joue plus très souvent non plus aussi. D'accord, il ne joue plus très souvent, mais s'il ne joue plus très souvent, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas été trop au rendez-vous. Mais quand il joue aujourd'hui, il se doit, ne serait-ce que pour honorer la fierté qu'il a eue de porter ce maillot pendant 12 ou 13 saisons, d'être présent dans le combat. Voilà, surtout, il en est capable en plus. Ça c'était un match pour lui. C'est le strict minimum. Bien sûr, c'était un match pour lui, tout à fait. C'est malheureusement ce qui a pêché cette fois-ci, c'est quelque chose qui ne nous était pas trop arrivé encore jusque-là. C'est individuellement la grinta qu'il fallait pour renverser ces matchs. Sur ce match-là, ce qui est vraiment très flagrant, c'est le manque de leader. Ouais. Et même avec des joueurs comme Fenga, Simons, qui sont des joueurs d'expérience à niveau international. Après, ils ne sont pas issus de Montferrand, ils viennent de l'étranger. Mais clairement, c'est des leaders de jeu. Ils sont leaders de jeu, mais pas de leadership. Mais c'est pas des leaders. Sur le collectif, il n'y a personne qui a de l'impact sur le collectif aujourd'hui. Tu ne vois personne capable de remonter l'équipe. Ça, c'est très surprenant. Très surprenant. C'est inquiétant. Je fasse une petite bise à Jean-Claude Luc Delamarre, là, qui vient régler ses comptes pendant l'émission. C'est bien, je suis disponible... 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour ce monsieur quand il veut. Voilà, il y a pas de souci. Mais c'est mieux d'homme à homme, c'est encore mieux. Ouais. Hein. Oui, voilà. C'est vrai. Oui.
Donc, effectivement, les faits de jeu aussi sont venus s'ajouter à tous nos malheurs, parce que c'est vrai que quand on bascule le match, enfin, on se dit à la 75e, on va gagner ce match. Et puis qu'il y a ce coup de pied ouais, mais qui est bien joué, parce qu'il doit les renvoyer chez eux et qu'ils fusent sur cette pelouse. Là, autant on peut être critique avec les puissants, mais là, l'esprit du jeu, il est respecté. Ah, okay. Tactiquement, c'est bien joué, stratégiquement aussi. Et puis derrière, la mêlée, c'était peut-être une des rares satisfactions du match. On se dit, bon, on va se l'assurer, bon, quand même. Et puis en fait, pénalité directement. Effectivement, bon, je crois qu'on... On peut pas nier l'évidence. Je pense que Rabat se met en travers. Hein, mais après, les spécialistes de la première ligne nous le diront. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment. J'ai pas revu l'action. Il y a vraiment faute. Je l'ai pas vu. Mais Rabat, il est victime aussi de ce dont il a été victime toute sa carrière. Ouais. C'est-à-dire que. Il y a des fois, on s'interrogeait sur sa tenue de mêlée, etc., et ses pénalités, mais il y en a plein qui connaissent bien. Même quand il avance, il arrive à être pénalisé. Quand il est dominateur, il arrive à être pénalisé. Ouais. Donc, il est un peu victime aussi de son aura et de ce qu'il est. Alors, il se trouve, c'est vrai qu'il se met, Christian le dit, la dernière mêlée, il se met en colère, du coup, parce qu'il ne comprend pas. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a pris l'ascendant sur son pilier, et l'arbitre n'hésite pas une seconde. Vous le dites surtout, s'il y a une chose qui a bien marché sur ce match, C'est bien la mêlée. Oui, mais il y a eu. Seule, on a réussi à être sanctionné aussi. On était bien en mêlée. Oui, c'est sûr. C'est une des rares satisfactions. La rare satisfaction, on va dire. Et effectivement, en plus, il a fait tout le match à droite. Et oui, après, voilà, il se met en travers, peut-être parce qu'il. Sûrement, tu as raison, parce que bon, faire tout un match au jour d'aujourd'hui à droite, quand même. Ouais. Surtout pied droit, quoi, c'est ça. Hein. Et sur cette dernière mêlée, on fait re-rentrer Georges Iberia pour assurer. Pour essayer de faire quelque chose. Donc, on sent bien qu'ils vont la pousser. On va la pousser, cette mêlée, quoi, pour le gain du match. Mm. Et en fait, ça s'est retourné contre nous. Parce que voilà. Alors, heureusement, finalement, comme disait Urios aussi après le match, c'est heureusement qu'on était devant à ce moment-là et que c'est qu'une égalisation. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Oyomen ont hésité. Oui. Parce qu'à un moment, il y a certains joueurs qui voulaient aller en touche. Les joueurs voulaient aller en touche. C'est le banc qui a demandé les 3 points. Ouais. Ouais, après là, ça aurait été un peu. Mais bon. Ouais. L'histoire des 3 points et ses pénales touches, on en revient toujours au même. c'est vrai que c'est très beau quand tu marques. C'est vrai que c'est récurrent. Tu marques une fois sur 10. L'esprit du jeu, c'est prendre les points. Hein. Je suis toujours sidéré aujourd'hui. J'en parle avec des potes qui sont entraîneurs, d'ailleurs, et même eux. Hein. Souvent, ils demandent les 3 points et sur le terrain, les mecs prennent la touche. Quoi. Alors c'est bien effectivement quand ça marche, ouais, ça ne marche pas, et des fois à la fin ça coûte cher. Enfin, quoi qu'il en soit, notre ASM elle est mal barrée, et il va falloir réagir assez vite. L'avenue de Pau ne va pas forcément arranger le staff, là, parce qu'ils doivent se poser beaucoup de questions quand même. Parce que là, c'est le match très dangereux et par excellence. Il y a un adversaire, ben oui, parce que c'est le match qui peut te faire capoter, quoi, hein, donc c'est le match à ne pas perdre, c'est celui-là. Hein. C'est le match à ne pas perdre. Hein. Il y a celui-ci. C'est le premier à ne pas perdre. Il y a un match qui me fait réellement peur. Il y en a deux. Il y a celui-ci et puis même il y en a deux tous les matchs. Stade français. Tu vas avoir peur tous les dimanches. C'est d'aller à l'USAP. À l'USAP, ça va être. Enfin, tu connais. Oui, j'ai regardé le tableau qui reste à. Il y en a un qui me. C'est Manu qui me demande, que je connais. Salut Manu. Comment il va gérer ça en termes de management, je me demande, hein, au regard de ce qui se passe tout de suite, je me demande comment il va le gérer. Hein, accueillir Montpellier, qu'on est allé taper. Tu vas accueillir Montpellier, tu vas accueillir Castres, tu accueilles Pau, tu vas aller au Stade français. Non, tu vas recevoir ou tu vas aller au Stade français ? On reçoit le Stade. Au Stade français, tu vas aller à Toulon ? On va à Toulon. Tu vas à Perpignan ? Non mais c'est une montagne, c'est haut, hein, c'est élevé. Hein. Alors je sais, Montpellier, on a une chance, c'est le dernier match. Peut-être, il se peut qu'il n'ait rien à jouer sur ce match. Ça peut nous sauver. Et Castres aussi peut venir ici pour jouer la qualif. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est qu'on a tout un tas de matchs à jouer. Et les Castres, dans cette position-là, ils sont redoutables. Nos adversaires auront toujours quelque chose à jouer chez nous. Tous ceux qui vont venir, maintenant, vont venir pour gagner n'importe comment. Hein, ça ne faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Non, là, objectivement, le club est mal barré. Hein, parce que c'est toi qui disais tout à l'heure, je crois, Arnaud, en gagnant tous les matchs sans bonus, tu peux finir. On peut en profiter.
profiter pour faire un petit clin d'œil à notre ami Obénix qui a sorti un peu cette théorie qui n'en est pas une, quoi. C'est factuel, hein, c'est mathématique. Effectivement, on peut très bien gagner tous nos matchs à la maison, mais si on n'en gagne pas à l'extérieur et si on ne prend pas des bonus chez nous aussi, offensifs, on a de fortes chances, on peut se retrouver 13e en ayant gagné les matchs à la maison et en perdant les matchs à l'extérieur qui nous restent. Moi, j'y réfléchissais. Ce qui me désole un peu, et nous en avions parlé sur ce plateau l'an dernier, où on avait remonté, on avait même fait un tableau en parlant de l'accident industriel de l'USAP, l'année où l'USAP était descendu en Pro D2. Et j'ai un peu le sentiment que déjà l'an dernier, on avait eu une crainte et puis on s'en est sorti parce qu'on avait aligné une ou deux victoires. Mais j'ai bien peur qu'on n'ait rien retenu des faits de l'an dernier. Mmh. On est dans une situation similaire, voire même pire qu'à cette époque-là. Ouais, au niveau classement, je pense que c'est plus resserré aujourd'hui. Très serré. Hein, Malgré tout, si on inverse la tendance, on est à 5 ou 6 points de la 6e place. On est à 6 points de la 6e place. Hein. Voilà. Ouais. Effectivement, il en faudra mais arrêtons, ça c'est un peu le tempérament auvergnat. Arrêtons de penser que tout va se sauver. Je vais faire une référence entre ce qui s'est passé dimanche avec le Clermont Foot. On pense tout et ce qu'on entend encore, on pense qu'ils peuvent se sauver en Ligue 1. Non, il y a un moment, c'est... À la fois. Comptablement, ils pouvaient. Bien sûr. Avant Metz. C'est à la fois le jeu, hein, quand tu marques pas de but ou marques pas d'essai et que tu restes sur la ligne. Et c'est à la fois le bilan du résultat comptable. Et donc, on est dans un bilan de résultat comptable. Il ne faut pas me dire qu'on va finir dans les 6. C'est réellement un miracle. Il faut appeler Olivier Cessé. Comptablement, ça sera très compliqué. Après, subjectivement, on est quand même quelques-uns à l'avoir annoncé en début de saison. Il n'y a pas très longtemps, tout le monde voyait l'ASM dans les 6. Je ne sais pas partie de ceux qui te disaient qu'ils sont dans les 6. Hein. Oui, mais on ne se voyait pas barragiste non plus. Mais 8-10, tu vois, 8-10, finalement, à 10, on est à notre place. La difficulté, effectivement, c'est comme je disais, Jackie, c'est que tu es à 3 points du barragiste. Et oui, mais là, on en est au point où on signe tout de suite pour rester dans les 10. Tu vas aller chez lui. Et lui, il a battu Toulouse. On va chez lui, on va à Montpellier, on reçoit tous ceux qui sont derrière nous. Ah oui, tout à fait. Il y a des matchs à la maison très très chauds parce qu'on reçoit aussi, il faut recevoir le Stade Français encore. Ouais. Donc, Gilles, comment on reprend un groupe dans ces situations? Qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'on a parlé tout à l'heure des coups de gueule de Christophe. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Comment on les resserre? Alors, la question en termes de management. On va à Montluçon, là. Moi, je pense que tous ces entraînements publics, c'est des conneries. Il y a longtemps que je dis. C'est une grande difficulté aujourd'hui par rapport à hier. Si tu veux, c'est qu'avant, hier, certes, on était payé, mais c'était quand même un sport passion. On avait nos métiers à côté. Aujourd'hui, c'est leur métier. Tu vois, tu ne manages plus les joueurs aujourd'hui comme tu les manageais quand on jouait nous. C'est complètement différent. Donc là, aujourd'hui, il y a un point effectivement individuel à faire sur l'état d'esprit, pour ne serait-ce que rejauger l'état d'esprit des mecs, où ils en sont aujourd'hui. Potentiellement, il peut y avoir quelques antagonismes avec le staff, je ne sais pas, ça il faut qu'ils le gèrent. Et puis après, effectivement, remettre la sauce collectivement, remettre de l'animation collective, et parler effectivement là des valeurs et de l'ADN de ce club. C'est un club qui existe depuis plus de 100 ans, qui n'est jamais descendu, qui est toujours resté en première division. Enfin, on est obligé de faire appel à ça, même si ça parle moins à les mecs, on est obligé de leur rappeler quand même l'histoire de ce club. Des investissements, de ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années. Oui. Hein, on a quand même été un des meilleurs clubs d'Europe pendant 15 ans, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était hier, ça. Hein. C'était il y a 5 ans en arrière. Hein. Après, tu ne peux pas occulter tout ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai consulté à la radio et à la télé pendant 22 ans, jusqu'à il y a un an et demi en arrière. J'ai toujours entendu parler au club, ah oui, effectivement, le modèle toulousain, il faut qu'on s'en inspire. Les anciens, mais ils sont où les anciens au club aujourd'hui? Enfin, je ne critique pas forcément le staff, vous comprenez, mais encore une fois, je dis qu'il faut tout mettre dans la balance. Et l'histoire de ce club, finalement, on en revient un petit peu à l'histoire de ce club passé, savoir aujourd'hui c'est un nouveau Michelin qui remet la main à la pâte, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on est au trou. Mais quand Michelin remet à la pâte, nécessairement, on a une gestion entrepreneuriale, hein, une gestion d'entreprise, pas forcément une gestion sportive entreprise, ce qu'a Toulouse. Ce qu'a le Stade Français, et bizarrement, c'est des clubs qu'on retrouve. Ce qu'a La Rochelle, et bizarrement, et ce qu'a Bordeaux, et bizarrement, c'est ce qu'on retrouve en tête de classement. Les quatre clubs qu'on retrouve en tête de classement, c'est des clubs qui ont su instaurer une culture de club.
avec d'anciens joueurs qui sont quasiment à tous les postes clés d'un club. Ouais. Alors par contre, mettre des anciens joueurs, bien évidemment, à compétences égales. Hein. Sinon, oui, ça sert à rien, et puis surtout, Gilles, il faut du temps pour faire ça. Tu vois, tout ça, ça compte. Oui, mais du coup, il faut mettre ça en place. Imagine le retard qu'on a pris aujourd'hui. On nous parle de la formation, mais la formation clermontoise, elle est où aujourd'hui? Quand il y a, pendant 10 ou 15 ans, on a été un des meilleurs clubs formateurs, où on ne se posait pas la question des gifs. Aujourd'hui, on se la pose. C'est quand même dramatique. Enfin, donc, tu vois, tout ça, alors ce n'est pas forcément la faute de ceux qui sont en place aujourd'hui. C'est ça, oui. Mais néanmoins, il faut composer avec. Donc, en termes de management, il faut s'appuyer sur tout ça. Enfin, alors pas un audit, parce qu'aujourd'hui c'est un peu tard de faire un audit, mais en tout cas revoir les joueurs individuellement, je pense qu'il y a un gros point à faire. Mais je crois que Urios l'a aussi dit. Il a dit qu'il allait échanger là avec ses leaders qui sont pas trop, ou en tout cas ses meilleurs joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, il a dit. Je pense que ça passe d'abord par là, et puis effectivement après faire appel à des valeurs collectives. Des valeurs collectives et de respect aussi, d'engagement professionnel, c'est des pros les mecs. Hein. Après, nos amis de la montagne se sont posé la question dans leur podcast de savoir si. Si Urios perdait le vestiaire ou pas. Mais tu veux faire quoi aujourd'hui, dire Urios? Ça serait la dernière des conneries à faire. Enfin, il faut être, ça serait la dernière. Mais surtout, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Voilà. Je pense pas que les joueurs lâchent Urios. Ça, je ne le sais pas. Ce qu'on peut imaginer, si tu veux, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette fameuse rhétorique, sa façon de communiquer, elle peut être mal perçue, en tout cas par certains joueurs. Oui, sûrement, sûrement. Je pense que ça en dérange certains. Ça fait 41 ans que je bosse, j'ai eu des patrons qui me cassaient pour parler poliment. Mais pour autant, tu fermes ton caquet, c'est un patron, et tu bosses pour ton patron, et point la ligne. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, ils ont un patron. T'es professionnel. T'es professionnel, c'est le mot que tu as dit tout à l'heure. Après, ce n'est pas les mêmes générations, là aussi. Mais pour autant, c'est des professionnels. Donc, il faut juste leur rappeler ce que c'est que le professionnalisme. Parce que dans tous les autres clubs, l'exigence du résultat, elle existe aussi. Hein oui, alors, par contre, les autres clubs, ils n'ont pas forcément un mécène qui paye, qui remet 5 ou 6 millions comme l'ASM ou comme Michelin à ce qu'il tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que ces joueurs-là, ils s'en foutent du club, qu'ils iront ailleurs, mais ailleurs, ils rencontreront le même problème. S'ils ne sont pas au niveau des exigences du club ou de leur staff, on leur fera la même remarque. Hein. Pas de la même manière. De toute façon, ce qui peut être fatal, comme à n'importe quel coach, de toute façon, c'est si jamais on se retrouvait réellement en position de barragiste en fin de saison. Je pense que je vois pas comment. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un mois en arrière, on se disait putain, il y a un regain d'âme, sursaut, on a un mur hermétique en défense et tout. Et là, en l'espace de il s'est passé une dizaine de jours. Non, mais c'est la coupure. La première coupure, on fait 15 matchs d'affilée, on fait une coupure d'une semaine, on donne les vacances aux mecs. Ouais. On dit ils vont souffler, ils vont être bien. On pète Bello aussi, n'oublions pas, parce que ça, on n'en parle pas. Ouais. Oui, on pète Bello à un moment où il revenait. Au moment où il est très bien. Et derrière, Ourda est pété à l'épaule aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'en fait… Et il a rejoué, je pense. Il rejoue très vite, trop vite. Après, très objectivement, encore une fois, très objectivement, parce que là, on parle d'Urios, mais on n'a pas l'équipe, enfin, moi, je pense, mais je le pensais avant, je l'ai dit, on n'a pas l'équipe pour être dans les 6, objectivement. Oui, déjà, être dans les 6, c'était, quand on l'a été, là, je ne sais plus trop quand, c'était une chapeau, quoi. C'était bien. Chapeau, hein. Mais enfin, je veux dire, il faut absolument. Enfin, moi, je suis à la place du club. Je vise entre la 8 et la 10 pour se mettre à l'abri. Oui, mais t'es à la 10e, il te reste encore 6 ou 7 matchs à jouer. Il faut quand même assurer cette fin de saison repartir du bon pied prochaine. On n'a pas une équipe qui nous permet d'être, comment dirais-je, serein sur l'avenir. Une équipe qui nous fait trembler tous les dimanches. Qui va nous faire trembler encore là tous les fins de saison. Une chose est sûre, c'est que dans l'état actuel des choses, tu fais un match de barrage contre un mec de Pro D2 qui raye le parquet. On peut le perdre. Tout de suite, oui. Parce que tu prends un Nevers, mon pauvre. C'est gros danger. Un Nevers ou un Grenoble. Alors parlons justement de Pau qui se profile là. Donc à Pau, il y a aussi des joueurs revanchards. J'aurais bien aimé. Il y a eu une réaction et j'ai des joueurs face à moi. J'aurais aimé qu'ils commentent un peu cette réaction. C'est la réaction du joueur Godener, qui est donc à Oyonnax, qui avait un contrat de 3 ans l'an passé, et qu'on a demandé à ces joueurs d'aller trouver un autre club, et en fait, devant les micros de France Bleu, France 3, il s'est lâché un peu en disant, de toute façon, nous, on nous a demandé de partir, on est tous partis, sauf un, il ne fait rien, c'est Marvin O'Connor. Et je pense que nous, on a joué le jeu, on est parti, mais
ça n'a rien changé au résultat. C'est de l'ego, Jean-Luc. Là, c'est, que, ouais. C'est une réduction d'ego. Ouais, après, ouais. C'est de bonne guerre, à la limite. C'est, génial, voilà, c'est de bonne guerre. Le mec, il n'a pas été gardé au club, il revient avec son nouveau club, ils font match nul au Michelin, ce qui est quand même un exploit. Hein. Bien que Oyonnax, visiblement, a plutôt toujours bien réussi au Michelin, ce que je ne savais pas, j'ai vu ça dans la presse cette semaine. Ça m'a surpris, mais bon. En fait, donc le mec, c'est de bonne guerre. Après, honnêtement, c'est pas ce qui va vexer Urios, son staff et les joueurs de l'ASM. Hein. C'est pas les propos de Godener qui joue à Oyonnax et il s'en tire bien, parce que Godener, quand il était chez nous, je suis désolé, mais bon. Oui. C'est pas c'est un, pour ça que c'est pas un peu... joueur d'autre tableau, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est un bon joueur de rugby, mais voilà. Après, on laisse partir. Et y compris à Oyo. À Oyo, il n'est pas titulaire. Hein. Il n'est pas titulaire. Le All Black, on devait être gagnant normalement, quand même. On devait. On aurait dû. On aurait dû. C'est ça. Mais humainement, tu te mets à sa place à lui, Jean-Luc, tu fais certainement la même chose. Oui. Mais à sa place à lui, tu es un peu compétiteur dans l'âme, machin, le club ne te garde pas, tu reviens. Mais tu parles de vexation, Gilou, et ça serait bien qu'il y ait un peu de vexation. Ben oui, ben oui. Mais après, c'est la vexation. Quand t'as la vexation, elle vient aussi en fonction de ce que tu es, ta personnalité. Ouais, ouais, mais c'est quand tu es un joueur de caractère, compétiteur, gagneur, comme peut l'être un joueur d'appui d'État et consort, tu l'as, cette quenita. Et là, la vexation, tu peux aller chercher. C'est des propos comme ça qui peuvent nourrir un peu ça. C'est des propos qui te parlent à toi. Mais tout à l'heure, on disait aujourd'hui, Jacques disait, la jeunesse aujourd'hui n'est pas forcément la même. Il a raison. Il y a des joueurs, moi, je ne les connais pas, ces joueurs à Urios. Je connais un peu Urios, sa mentalité. Lui, c'est un mec qui fait appel justement à ses valeurs guerrières, à ses valeurs de combat, d'engagement, Sauf que ça, aujourd'hui, la récurrence de ça, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, ça suffit? Je ne suis pas certain. Après, il me semble qu'il ne fait pas que ça, quand même. Non. Il me semble. Non. On voit beaucoup ça, parce qu'il communique beaucoup là-dessus. Ça serait très réducteur. Ah, on en profite, on fait la bise à la loutre qui est parmi nous dans les commentaires et qui va nous rejoindre bientôt. On lui a enlevé le plâtre. C'est ça, on va le déplâtrer. Non, après, voilà, parmi les joueurs qui sont partis, on va en recroiser un aussi, pas ce week-end, mais le week-end prochain, ouais. Donc contre Pau. Revanchard aussi. Qui va être revanchard, et j'espère bien qu'on ne va pas le faire briller autant qu'on a pu faire briller Godener, ou alors Tibergen à Bayonne. Oh la loutre, si c'est pour poser des questions comme ça, sans déconner. bien sûr qu'il les a. Bon, je pense qu'il est. Oui, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de doute, la loutre. Ouais. Sinon, il serait plus là. Peut-être les a-t-il trop, peut-être d'ailleurs. Ouais, peut-être les a-t-il trop. Peut-être qu'il est omniprésent, justement. Les dirigeants se cachent, oui. Ça... Et pour Briat, c'est un joueur qu'on n'a jamais su garder. Et je pense que je ne suis même pas certain qu'il voudrait revenir à Romain. Oh, oui, c'est des histoires qui sont différentes. Si, peut-être qu'il voudrait revenir, mais... C'est un joueur qui... Non, mais on peut citer 50 joueurs depuis 15 ans ou 20 ans. Il y en a dans toutes les équipes. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais sinon, on jouerait à 70. Pas du tout. Je ne sais pas qui c'est, YC, mais non. Vous étiez un joueur moyen de tableau. Moyen de tableau. Oui, il a fait quelques... Tu as une finale quand même, Gilou. Il a peut-être oublié. Quelques finales quand même. Je pense pas celle-là, il y en a 3. On a des haters ce soir, je ne sais pas pourquoi. YC. Non, et c'est, oui, donc j'espère qu'on ne fera pas briller Saint-Mézéala autant qu'on a fait briller Tibergien à Bayonne. Là, il fait une belle petite saison à Pau, hein. Je regarde un petit peu les matchs, il est présent, hein. Il est assez souvent titulaire. Ouais. Et il marque surtout, il marque beaucoup. Oui, mais après, quand il était chez nous, c'était un joueur qui était souvent blessé. Il y a eu beaucoup de blessures, et puis en plus... Un peu branleur. Effectivement, catégorisé branleur. Alors voilà, peut-être Capo, il s'est mis au boulot aussi. On l'a mis après, au boulot. Après, voilà, souvent. Oui, mais par rapport à ce que vous dites, et je peux en attester, aujourd'hui, les jeunes ont un peu changé de mentalité, etc. Donc, qu'est-ce qu'on juge comme étant branleur, etc. Parce que. Nous, on ne juge rien, on ne les connaît pas. Que ce soit au rugby ou n'importe où. La jeunesse française a quand même vachement changé. Ouais, et nous, avec notre mentalité, c'est pas forcément facile de les coacher. Oui, mais bon, après, on peut comparer le coaching qu'on a, le management qu'on a en entreprise aujourd'hui dans nos parcours professionnels. Et parce que finalement, c'est de la gestion de ressources humaines. Oui, bien sûr. Ni moins. Hein. Et effectivement, la jeunesse a beaucoup changé. Bien sûr, on en parle. Après, juger le côté branleur, moi, je ne le juge pas, ça, parce qu'on ne les connaît pas. Oui, les seuls qui le savent, c'est le staff. Et Dieu sait si Christophe Urios met en tout le temps en avant la valeur travail. Hein, donc, c'est gentil, c'est vrai, ça, je me rappelle bien, effectivement. Cette pénalité-là, c'est le match où on doit gagner quand Brive est champion d'Europe. On fait match nul à Brive,
Et l'arbitre nous vole le match en refusant ma pénalité de 50 mètres à la dernière minute, qui passe au milieu des poteaux en haut. C'est vrai. Au milieu des poteaux en haut, il a refusé. Il a refusé, ouais. Okay, trop haut, il avait mis trop haute. Je sais pas une connerie en plus. Non, mais c'est parce que les arbitres de touche. Mais c'est le match où vous avez fait du carton rouge aussi, là Non, avec Riton, c'est un autre. Non, ça, c'est en 93. Là, je te parle de l'année où ils sont champions d'Europe, donc c'est 97. On nous parle de Vintendeur. Vintendeur fait une belle saison à l'USAP aussi, quoi qu'il s'est passé. Oui, mais lui, ça fait un. Mais Vintendeur, plus longtemps qu'il est parti. Vintendeur faisait des bons matchs à l'ASM. Bah oui, oui. Très bon match. Des très bons matchs. Mais lui, il est parti avant lui. Il se blessait souvent, quoi. Pareil aussi. Mais très, très beau joueur aussi. Effectivement. C'est pareil, depuis qu'il est à l'USAP, il joue, mais il se blesse aussi. Moi, je le regarde un petit peu. Il se blesse souvent quand même. Et donc pour gérer ce futur match, donc on a encore une coupure. Donc les joueurs étaient censés, je ne sais pas comment ça s'est traduit finalement, mais cette semaine ne s'entraînait que jusqu'au mercredi et après était off. Donc je ne sais pas si dans la colère, Christophe Urios a rajouté quelques entraînements. C'est même pas de la colère, Arnaud. C'est que, à mon avis, et Gilles l'a très bien expliqué, on est dans une situation d'urgence où les voyants sont rouges. Ce sont des professionnels, je reprends tes propos, Gilles. S'il faut aller au Turbin, s'il faut retravailler, s'il faut que tout le monde soit là, eh ben les vacances, on en parlera plus tard. Quoi. Gilles l'a très bien dit, jamais on a vu ce club descendre en division inférieure. Donc, faut se motiver. Et là, quand on dit, j'espère que, effectivement, on n'entend peut-être pas les présidents, les directeurs généraux ou je ne sais quoi, mais là, en interne, c'est leur rôle. Quoi. Oui, nous, qu'on les entende pas, c'est pas grave. Mais oui, par contre, il faut qu'ils se fassent entendre. Par oui, vrai, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. Je crois qu'il y a eu déjà une première descente du président. Enfin bon, après, voilà, c'est propre à la vie du club. Et j'espère bien que... on en a eu aussi des descentes de président. Que les gens... c'est arrivé. Que les gens... on s'est fait reprendre de voler quelquefois aussi. Hein, attends, le président avait responsabilité à la manufacture. Quand tu loupais des cuissons, qu'il y avait des avaries, qu'il fallait revenir, il faisait revenir son personnel en 3-8. Des ouvriers, il les faisait revenir à l'usine. Donc là, on fait revenir les ouvriers, et les ouvriers, ce sont les rugbyman, les professionnels, on les fait revenir, ça ne peut pas entendre n'importe quoi. Et ce n'est pas les mêmes niveaux de salaire en plus, donc effectivement, il y a de l'exigence, ils ont droit à l'exigence, ils n'ont pas le droit à l'exigence. Forcément, surtout avec l'investissement qui a été fait récemment. Et c'est clair que c'est une remise en question générale, mais surtout de ceux qui agissent, les acteurs principaux. Oui, mais pour autant, ça ne règle pas le problème de savoir comment ils vont faire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le constat, c'est de dire on n'a pas nécessairement les joueurs pour se confronter. Non, mais est-ce que dans l'urgence déjà, et ce match qu'on a joué contre Oyonnax, on aurait dû jouer beaucoup plus petit, des choses beaucoup plus simples, oui, relever les ballons. Pourquoi ne le fait-on pas? Et je sais pas. Ça, des fois, tu te demandes. On a eu un rugby encore. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que la matière grise. C'est des rôles de leader. C'est les leaders sur le terrain. C'est les leaders. Ouais. Le problème, c'est que si tu as un leader. Parce qu'avec la flotte qui tombait, quand je vois qu'on s'envoyait des grandes passes encore de 15 mètres. Mais ça, on a eu ce problème-là l'année dernière. Le match à Bayonne, rappelez-vous. Il y a eu plein de fois où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, l'année dernière, le match à Bayonne, les leaders, ils sont là. Morgan. Camille Lopez, ils sont là. Hein. Oui, il y a deux ans. Il y a deux ans. Ça passe tellement vite, nom de Dieu. Bon, on va essayer de se remonter le moral quand même en parlant de notre équipe de France. En même temps, parce que on va, mis à part attendre la sentence de ce match à SMPO qui va être déterminant pour la suite. Maintenant, on va quand même basculer sur un côté plus positif où pourtant on n'était pas très optimiste. On était quand même plus que pessimiste par rapport à notre équipe de France. C'était un constat. Et c'est vrai qu'on n'était pas bon. On n'était pas forcément optimiste. On n'était pas aussi, très bon. Oui, mais enfin, on était à l'extérieur. Pour la France, là, il y a un super constat à faire. C'est que depuis le début de saison, depuis le début du tournoi, tu avais l'Angleterre qui était sur un rugby très conservateur et tu avais la France qui était fameuse dépossession. Tu regardes les deux matchs de ce week-end, les Anglais, ils ont attaqué partout, les Français, ils ont possédé tout le match, oui, 68% de possession. Trois pénalités, donc ça veut dire que Galtier, il s'est remis en question, et qu'il a écouté Patrick Arletas. Moi, Patrick Arletas, c'est ma génération, j'ai joué contre lui pendant 10-12 ans. Lui, je le connais, moi, je ne le reconnaissais pas, Patrick Arletas. Ça veut dire qu'il n'avait pas les rênes jusqu'à maintenant, et que là, il les a pris, les rênes. Et on a pratiqué le rugby que Patrick Arletas prône.
Et puis devant, ils ont fait le jeu de mouvement. Rappelons-nous quand il entraînait Perpignan avec pas de gros moyens, c'était pas une équipe dégueulasse arrière des joues et Perpignan quand même. Et donc le constat est là, c'est que les Anglais conservateurs et les Français des possessions, et ben on est passé du conservatisme à l'offensive totale et les Français de la possession et du jeu à outrance. Oui, parce que avec un pack conquérant et une charnière extraordinaire. Et comme quoi finalement avec une défense qui n'était pas qui était assez quand t'as les gros qui s'y mettent là, c'est pareil, ils s'y mettent. Oui, avec une défense qui était plutôt passoire ce week-end, on a compris qu'en marquant beaucoup plus que l'adversaire, on pouvait gagner. Et encore, je pense que si tu fais jouer le petit deux portes en 13, c'est pas la même. Honnêtement, sur la vue du match, la France, je pense que le petit de porteur, c'est un 13, c'est pas un 12 du tout. Oui, oui. D'ailleurs, en défense, il a l'habitude de jouer 13, d'ailleurs, en défense, il se fait prendre. Il se fait prendre, c'est juste une naïveté, manque d'expérience. Mais ce que je comprends pas, d'ailleurs, parce que Ficou, c'est un vrai 12. Je sais pas pourquoi ils ont Si Galtier et Arletat, ils le font, c'est qu'il y a une raison. Finalement, ils ont eu raison sur le match. Oui. Et moi, je pense que par contre, c'est pas un 5-8e, c'est un vrai 13 de porteur. Et au large, il est redoutable, ce garçon. Alors, ça va être un grand, par contre. Au rayon des satisfactions aussi, on cherchait un peu un successeur désespérément à Winnie Antonio, mais Colombe, contre nous, il nous a traversé. Contre nous, quand il fait l'accélération, il nous a fait très très mal. Hein. Et puis là, quand il rentre, il fait un super match. Quoi. C'est le prototype du pilier droit moderne qu'il va falloir. 2-3 ans, Géraud. Je pense qu'il a 2-3 ans de moins que moi, pas plus. Ah, ça attaque aujourd'hui. Hein. Oh les enfoirés. Il sera agacé par ce match nul. Sur ce match, il y en avait retrouvé deux deuxième ligne aussi. Ouais. Qui ont été très bons. Alors ça, j'aime bien. Je vais relever aussi Alice, Jules qui parle de la grande schistée de Le Garec. Alors bon, la fin est heureuse, mais elle aurait pu être malheureuse quand même. 8 fois sur 10, c'est interception essai. Hein, il peut y avoir une interception de dingue. Après, c'est vrai que tout le monde s'extasie devant ce geste. Ça permet de citer Ramos. Moi, je trouve que ce Ramos fait une saison, que ce soit en club ou en équipe internationale. Il est capable de jouer 15, il a même été meilleur en 10 qu'il l'a été en 15. Le contexte du match n'est pas le même, mais il a déjà prouvé qu'il sait jouer 10. Il fait une finale à l'ouverture avec le Stade Toulousain, il avait été excellent. Hein. Tu parlais d'un leader dans un club et tout, c'est des mecs comme ça. On n'a pas de ça. On a un Toulousain qui est connecté là, mais c'est vrai qu'on peut parler de Meafou aussi. Je pense que lui, il va peser dans ce pack. Là, l'axe droit, il a fait mal. Rapidement. Parce que même le remplaçant Tao qui fait une rentrée incroyable, imagine le côté gauche gallois, il a souffert quand même. Hein. Fait plaisir parce qu'on s'inquiétait un peu pour cette deuxième ligne aussi quand même. Hein. On cite Colombe. Colombe, c'est quelqu'un qui a été un moment sur le marché. On s'est fait croquer par le Racing. En plus, c'est visiblement un joueur qui est venu tard en rugby, je crois. Mmh. Il est passé par Massy ou par Bobigny? Non, il est passé par la région parisienne, mais je ne suis pas sûr que ce soit Massy. C'est Bobigny, alors. Ou Suresnes, non? À vérifier. En tout cas, il a c'est un garçon qui a du talent. On a retrouvé une équipe forte, une bonne animation collective, des avant-conquérants. Moi, j'ai trouvé Flamand extraordinaire, une fois de plus. Ouais. Je trouve que c'est un joueur qui, pour moi, c'est le number one. Je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel, une potentialité énorme. Il ne cesse de grandir. Mais c'est surtout quand t'arrives. Ah oui, non, par contre, il faut le mettre à gauche. Ouais. Quand on arrive à mettre Flamand avec un fort tonnage à côté, là, un Tao ou un Meafou ou Twilagi plus tard, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est le top. C'est un attelage qui fonctionne. Et là, on est parti avec un axe droit. On a pour quelques années. Là, ça va être compliqué à jouer, hein, c'est sûr. Hein. Mm. Meafou, le petit Colombe. Tao, il est un peu sur la fin. Ouais. Tao, il est comme Antonio, il a rempli alors qu'il voulait arrêter. 45 kilos, se bouger comme il se bouge, le garçon. C'est vrai que quand tu te payes première mi-temps Antonio, Meafou, deuxième mi-temps, tu fais rentrer Colombe. Et Tao. Ben après, ce qu'il faut espérer rapidement, c'est de trouver un autre droitier qui tient la route et qui soit assez jeune. Et parce qu'après, en deuxième ligne, on a quasiment trouvé, je dirais, les remplaçants de Tao et de Villemc et compagnie. Parce que Meafou et Twilagi, je pense que c'est de cette trempe-là, enfin, au niveau gabarit, au niveau dynamisme et tout ça. Je pense que ça devrait le faire de ce côté-là. Twilagi, il est pénalisé, enfin pénalisé en guillemets, hein, parce qu'il va faire une belle carrière. Mais Twilagi, c'est un 90. Il n'est pas assez grand. Meafou, c'est 2m03 quand même. Hein. Il n'est pas assez grand. Flamand, c'est 2m03.
3, tu vois, ça change beaucoup de choses quand même. Hein. Ouais, je ne suis pas sûr. Après, effectivement, dit, ouais. ça sera un match winner. Ça sera un match winner, je pense, tu l'as dit là. Ça sera un peu le Tao d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, je le vois comme ouais, ça, moi, par rapport à Méafou. Hein, parce que la performance de Méafou, elle est quand même. Il y a élevé, Claude-Emmanuel Sanchez qui parle de Penaud aussi, qu'on a retrouvé. Bah, 113 mètres parcourus, à chaque fois qu'il a eu un ballon, il a mis du gaz. Il a punché cette fois-ci. Il a franchi. Il a fait du Penaud. Voilà. Il a fait du Penaud, du bon Penaud. On ne le voyait plus ces temps-ci, c'est vrai. Il a fait du bon Penaud. Ouais. Je pense qu'ils ont tous un peu retrouvé leur marque grâce à ce rééquilibrage d'équipe. Le problème, c'est qu'on garde les ballons. Oui, on joue au rugby. Moi, j'ai regardé le match contre l'Irlande, on ne pouvait pas jouer les ballons, on les rendait tous. Non, on n'a pas existé. Il y avait une différence de niveau flagrant. Donc là, on a gardé les ballons, et en plus, quand tu concasses devant, c'est vrai que les enfoirés, derrière. On peut répondre à Thierry André, quand même, par rapport à ce qu'il écrit, une correction. Et toi, Jackie, tu as dû vivre cette période. Zézé Dufaux est venu un moment à Montferrand, il entraînait en parallèle avec Michel Rangeval. Oui, hein, je connais cette époque. Donc Thierry, Zézé est venu à Clermont. Mais il dit bien qu'il est venu. Il dit qu'il voulait le plein pouvoir. C'est que s'il avait les pleins pouvoirs. Ouais, comme Zézé. Ouais, oui, excuse-moi, Thierry. Il va dire qu'ils ne les ont pas eus non plus. Va pas nous vexer, Thierry André, parce qu'après, on va charger. Mes excuses, Thierry. Mauvaise lecture. Il va relever la mêlée après, Thierry. Donc, n'hésitez pas comme ça à commenter, parce que comme ça, derrière, on peut rebondir parfois. Non, mais surtout que maintenant, on va avoir. Ce crunch qui nous attend aussi la semaine prochaine, Lyon, qui va être sympa, à Lyon. Ça va être chouette. C'est pas forcément un avantage, par contre, que d'aller à Lyon. Ouais. En tout cas. Parce que les Français au Stade de France devant 98 000 personnes, Lyon c'est combien, 60 000, 65 000 ? Ça doit être 60 000, ouais. Ouais. Ça peut compter un peu quand même, l'engouement. Ouais, mais le stade risque d'être chaud. Mais là, les Anglais revanchards, qui ont fait un bon match, hein, qui ont fait vraiment un bon match. Hein. Ah ben, contre toute attente, hein, ils ont fait un grand match même. C'est dire quand même si le niveau post-Coupe du Monde des équipes, quand tu vois les Italiens, ce qu'ils ont fait aussi, là, c'est... Ah oui, il faut en parler, toi aussi. Ouais. C'était chouette, hein. Je me suis régalé ce week-end. Ouais, hein. Ouais. Puis, c'est vrai qu'on a eu la chance. Il y a un week-end fabuleux. Entre l'Italie, l'Écosse et puis les Anglais qui gagnent le match contre l'Irlande et puis nous qui faisons ce. Quand ce on parle de la performance de l'Italie, je vois que quelqu'un parle des U20. Ah ouais, il faut regarder les performances des Italiens en U20. Ah oui, oui, ils sont solides. Ils nous ont traversés, ils nous ont battus même. Ouais. Donc. Les deux premiers matchs. Les U20 ont perdu les deux premiers matchs. Ouais. Et l'Italie, du coup, avec un Gonzalo Quesada, si ça peut bâtir un peu dans la durée, et avec leur génération de U20 qui a l'air d'être plutôt solide, on peut revoir l'Italie brouiller les cartes. Ils vont arriver, les U20 italiens, à basculer quand ils vont passer. Oui, c'est toujours chez nous. Hein, c'est toujours l'inconnu. Quoi. Là, en tout cas, France-Angleterre, en U20 aussi, il rappelle tous les cadors. Donc, y compris celui qui devait être un peu notre invité aussi ce soir. C'était Léon Daricarrère a été invité à rejoindre l'équipe de France moins de 20. Donc, ça lui fera une petite bouffée d'air, je pense, dans ce climat un peu tendu. Il va aller voir notre ami Sam Chirouk. Sam Chirouk va remonter les pendules, peut-être. Et puis, il n'est pas tout seul parce qu'il y a Robin Couli et il y a toujours Duchesne. Duchesne est rentré, impact player. Thomas Duchesne qui continue de grandir et espérons qu'il viendra grossir les rangs d'ailleurs de l'équipe 1 s'il franchit le cut. On peut lui souhaiter, ça c'est clair, ça serait rigolo de revoir un Duchesne. Ouais, c'est sympa. Hein. Ça rappellerait des bons souvenirs, hein, les anciens. Ça serait sympa, c'est sûr. Et donc France-Angleterre, oui, où on peut empêcher. Les Anglais peuvent encore gagner ce tournoi, il me semble. Donc ils peuvent. Ça va être un gros match, ouais, je pense. Et surtout, on, comme toujours, on prendra plaisir à battre ses amis anglais. Ah ça oui. Hein ah ça oui. Oh, Damien Penaud, il va le battre, le record. Ouais, bien sûr qu'il va finir par le battre. Il a quel âge, Damien? Il a 25, 27 quelqu'un ans. Va à Lyon, là, ça sera vite fait. Il va à Lyon, non? Oui, moi j'y serai. Ouais. Il va le battre, ouais. Il va même le pulvériser. Une expédition le record, lyonnaise. Ouais, théoriquement. Il va le pulvériser, le record. Sauf 36 essais à 25 ou 27 ans, à 55 sélections, je crois, un truc comme ça. Il va le pulvériser. Hein. Faut pas qu'il ait de blessure, quoi. Mais voilà. Il n'y a pas de raison, c'est un joueur robuste plutôt, hein, rarement blessé. Gros pépin. Il passe rarement au travers quand même ses matchs.
Là, il est en pleine bourre. Oui, et puis là, c'est... Oui, effectivement, un joueur comme ça, la seule inquiétude, c'est la blessure. C'est la blessure. Mais bon, blessure. Il est rarement blessé, hein, quand même. Mm. C'est un joueur rarement blessé. Mais effectivement, elle peut malheureusement... C'est malheureusement la seule inquiétude. Ouais. C'est la seule inquiétude. Il aurait 27 ans, tu vois. Ah oui, on peut répondre aussi, enfin répondre à Thierry André. Les nouvelles, j'en ai pas, moi. Fischer, toujours en phase de réhabilitation, parce qu'il Fischer, s'est pété, fichu, il s'est pété un mollet en essayant de revenir, justement, physiquement. Ah, lui, donc, il s'est pété. Lui, il enchaîne. Et Sanga devrait pas tarder à reprendre. Il me semble qu'il est, il n'est pas encore sur le terrain à l'entraînement, mais c'est pas très loin. Et on fait revenir le jeune Kevin. Il revient au club, non ? Non, je crois qu'il a pas envie de revenir. Il a envie de rester à Mont-de-Marsan. Ouais, mais j'ai vu que le club souhaitait à ce qu'il revienne. Et lui, il veut rester à Mont-de-Marsan. Ça, il est à Mont-de-Marsan. Ouais, ça va être ça peut être compliqué, je pense, si le joueur exprime. On a des joueurs aujourd'hui qui veulent pas revenir au club. Eh ben oui. Putain, c'est quand même dingue. Ben c'est sûr qu'avant tout le monde pouvait venir en courant chez nous, mais c'est un peu le. C'est l'un des problèmes du recrutement, c'est que le club n'a plus l'attractivité qu'il a eue. Quoi. C'est sûr. Hein. Et oui, parce qu'on parlait dans les recrutements d'un arrière de Nantes Ducoin aussi, qui a re-signé à Bordeaux. À Bordeaux. Du coup, ça libère l'ailier, le fameux ailier que l'ASM voulait recruter, voilà. J'ai vu. Et du coup, Madoche Tamboué, ça reviendrait à nouveau sur les possibilités, mais qu'il n'est pas gif. Qui n'est pas gif, donc encore en voilà. Donc, est-ce que ça m'étonnerait que nous, ça rentre dans les plans? Logiquement, je ne vois pas. Ben, ça serait quand même tirer une balle dans le pied encore. Logiquement, on ne devrait même pas se poser. Oui, mais je pense qu'il y a des fantasmes de journalistes. Il vaut mieux faire l'effort sur un grand ouvreur qui n'est pas gif, tu vois ce que je veux dire, plutôt que à la rigueur, s'il faut sacrifier un poste, c'est celui-là. C'est clair qu'il va y avoir urgence aussi à ce niveau-là, oui. Mais effectivement, on a certainement un souci d'attractivité. Et à mon avis. Les recrutements, on avait dit que les recrutements étaient faits, mais si tu as besoin de recruter sur un ou deux postes, tant que notre situation ne sera pas éclaircie sur l'avenir du club pour la saison prochaine, ça aide pas, c'est sûr. Sportivement, hein, je parle, ça va pas aider. Hein, mais moi, évidemment, de toute façon, Jean-Luc, à mon humble avis, le recrutement est bouclé pour l'année prochaine. Je pense qu'il y a encore quelques fantasmes. Le gros du recrutement est bouclé. S'il y a un joueur qui. Voilà. Peut-être un arrière qui rentrera. Ou un nouveau. Mais un 10, je n'y crois plus. Je ne sais pas où ils vont. Ils cherchent l'introuvable. Quoi. Mais sinon, à mon avis, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Je vois parler de Chris Gabriel aussi. On est en train de tout doucement revenir sur l'ASM. Mais c'est vrai que Chris Gabriel là, fait des bons matchs en Pro D2 à Nevers. Là. Donc j'espère que ça pourrait être une grosse bestiole à mettre dans notre paquet d'avance. Il est clos réellement parce que physiquement, c'est un... C'est un skeleton, hein, c'est un skeleton, voilà. C'est skeleton s'il perce, voilà. Reverra-t-on Herito ? Alors Herito est en phase de reprise aussi, hein, parce que Herito, lui, c'était un choc à la face. Là maintenant, lui, son retour, il est imminent. Là. Voilà, donc effectivement, ça fait partie des retours qui feraient pas de mal pour réétoffer la. Ah ben, on aura besoin de tout le monde, hein, évidemment. Hein. Tout le monde. On aura besoin de tout le monde, hein, clairement. Hein. On fait un petit tour rapide de la Pro D2 pour pouvoir parler un peu plus du rugby régional. Oui, Jean-Luc. Il y aura histoire de vestiaire, pas histoire de vestiaire. Non, je n'ai pas prévu, mais pourquoi tu. C'était pas une histoire de vestiaire que j'aurais voulu avoir, c'était un peu. On en parlait en off, c'était l'historique de ces matchs qui ont été compliqués, où il a fallu sauver le club. Ah oui. Ce match du Zbuk et ce match de La Rochelle dont on parlait en off. Et donc ce n'est pas histoire de vestiaire, mais c'est histoire de Gilles Dardet. Histoire de survie. Ouais. Parce qu'il a vécu ça, Gilles. J'ai vécu ces deux-là, et au-delà des finales, il a aussi vécu ces deux matchs difficiles. C'était une mobilisation collective, hein. Encore une fois, c'était. Je ne me rappelle pas qu'il y ait de discours de président, par contre. Très objectivement, si ça avait dû avoir lieu, mais pas la semaine avant le match. Par contre, après, il y avait une vraie mobilisation du collectif, mais encore une fois, c'était une époque où il y avait des leaders. Quoi. Et on l'a dit, hein, il faut au moins un leader. Quoi. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de leaders. On s'était un peu perdu dans nos convictions. Il y avait toi, il y avait Philippe. Non, mais il n'y avait pas que moi, Philippe derrière, mais tu avais Eric Nicole, tu avais Marc Pradier, qui était quand même sur un terrain, un compétiteur hors norme.
Devant, tu avais du Arnokos, qui avait l'enthousiasme de sa jeunesse, qui était hyper valeureux. Tu avais qui encore? Tu avais Jean-Philippe Versailles, Manu Meigneux, Olivier Malaré, Marocco. Enfin, tu avais quand même. Ouais, ça manquait pas. Ouais. Tu avais des joueurs, voilà, des joueurs de caractère et compétiteurs. Voilà. Et malgré tout, avec ces joueurs-là, on s'était retrouvé dans une situation qu'on avait nous-mêmes provoquée parce qu'on s'était cru meilleur que les autres. Et puis voilà, un peu de condescendance, un peu trop d'ego. Et voilà. Surtout dans une situation délicate. Mais grâce aussi à ces joueurs-là, eh ben, on a su se mobiliser sur un match qui était capital. Je parle d'une époque où l'année avant de jouer le maintien, on était demi-finaliste ou finaliste. Ça veut dire que cette équipe-là, elle avait les ressources et la capacité à être présente, à répondre présent au rendez-vous, tu vois. Là, aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'équipe dont on parle, on n'est pas certain qu'elle ait cette capacité-là. Et d'ailleurs, elle nous le démontre depuis le début de saison ou depuis deux saisons. On fait un début de saison qui n'est pas bon. Et puis après, on se reprend sur deux mois. On est trop irrégulier. On a retrouvé une belle équipe qui avait un mental. Et puis là, de nouveau, on s'effrite. Alors, est-ce que peut-être qu'on peut espérer? Je vais être positif. Donc, les histoires de vestiaire, pour répondre à ta question, là, c'était une histoire d'hommes, en fait. Hein. C'était une histoire d'hommes, des mecs qui ont su se remobiliser, mais qui savaient qu'ils étaient capables de le faire. Puis là, je ne suis pas certain qu'eux soient convaincus. Parce que le problème, si tu veux, c'est que, humainement, on crée ce que l'on pense. Si tu penses que tu n'es pas bon, si tu penses que tu n'es pas en confiance, si tu penses que ça, tu vas finir par l'être, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On crée ce que l'on pense. Mais il y a une histoire d'exploit aussi, une des deux fois, c'est... Non, mais la deuxième fois... La pénalité de Gaëtan. C'est Gaëtan qui prend le ballon... Qui prend ses trois pas d'élan, il tape 45 mètres en coin à la 86e minute, on gagne à la dernière minute. Mais pour autant, ce match-là, c'était contre le SBUC. En face, il y avait une grosse équipe. À un moment charnière de ce club, parce que quand on gagne au SBUC, enfin quand Gaëtan gagne au SBUC, parce que c'est vraiment un exploit personnel, là, il tue le SBUC. Hein. Parce que Gaëtan, en plus d'avoir sauvé l'ASM, il a tué le SBUC. Hein. On parle souvent qu'il a sauvé l'ASM, mais là, le SBUC éclate derrière. Ça part en sucette complet, hein. Avec les Laporte, les Moscato, les Abderrageb, les Christophe Reit, et on passe et d'autres. Simon, Gimbert, ils explosent. Je me fais chambrer par Charlie parce que je regarde ma montre. Non, c'est pas que c'est l'heure de l'apéro, c'est qu'elle me vibrait, donc j'ai cru qu'il y avait un message important, justement. Il y a une bonne remarque aussi, tiens, on n'en a pas parlé de ce joueur, mais Irae Simone, qui avait été catalogué comme capitaine et leader de cette équipe, qui effectivement s'est pété lui aussi au plus mauvais moment, parce qu'au moment où justement il avait pris ses marques et où il devenait important dans cette équipe. C'est dire si le mal était profond, avoir Irae Simone comme leader d'équipe. Ouais, leader, capitaine. Voilà, c'était quand même... Ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Ouais. C'est clair. Après, Urios lui-même l'a dit. Hein. Qu'il n'en avait pas détecté. On n'invente rien en le disant. Hein. On ne fait que relater ce que l'on voit et ce que tout le monde sait aujourd'hui. Hein. Mais par contre, ce qui est vraiment pénible, c'est qu'on n'a pas le sentiment que ça les vexe, quoi. Que justement, que leur ego, ça serait bien qu'ils réagissent. Mais non, il n'y en a pas un qui réagit. Quoi. Donc ça veut dire que dans leur ADN, ils ne l'ont pas, ça. Quoi. Donc c'est plutôt inquiétant. On a même l'impression que il y en a qui reculent, quoi. Je pense à Baptiste Jauneau, on voyait quelqu'un, et on a l'impression qu'il plafonne. Quoi. Oui, en gros, tu dis il est moins bon aujourd'hui qu'il n'était hier, c'est ça. Mais après, c'est l'image de l'équipe aussi. Là. Quand tu te fais prendre devant, c'est difficile pour une mine-mêlée. Et puis il a pris des jetons, hein, quand même aussi. Hein. Il s'est pris quelques revers, notamment... Il a été blessé, surtout plusieurs fois. Il a pris des jetons. Il s'est fait remettre dans l'axe par son entraîneur à un moment donné, parce qu'il avait individualisé son jeu, il ne respectait pas forcément les schémas collectifs. De toute façon, lui, il était rentré dans cette spirale d'une saison, où il sortait d'une saison très positive pour lui, où il a eu beaucoup de temps de jeu. Il a été champion du monde moins de 20 ans. Donc, sur un petit nuage, il rattaque la saison, hyper motivé, il se pète. Donc, il fait le début de saison et il se pète. Dès qu'il revient, il est un peu moins bien parce que forcément, Seb Bézier a repris la place et il se repète à nouveau. Il se repète derrière. Et donc là, maintenant, il a une blessure qui est quand même importante puisqu'il a le tendon un des tendons de la cheville qui est rompu. Donc, il faudra qu'il prenne une décision en fin de saison. Donc, lui, ça l'a fait douter, ça, c'est sûr. Et il est très jeune. Il est très jeune pour pouvoir assumer tout ça, je pense. Moi, le seul truc qui me surprend vraiment, c'est que... Parce que même, si tu veux, quand tu te profiles, quand tu
mais en perspective d'une carrière, ça pourrait être une formidable opportunité aujourd'hui pour des joueurs de prendre le leadership. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, je ne sais pas, ouais. Moi j'ai été joueur. Oui, mais tu sais très bien, tu ne prends pas le leadership. Non, mais quand tu l'as, quand tu l'as, tu peux. Quand tu l'as, il faut aller. Mais à un moment donné, on le disait il n'y a pas longtemps, à un moment donné, il faut aller chercher les choses. Oui, tu peux aller chercher quand même. Jackie, je pense que là, je ne parle pas nécessairement de capitana, parce que j'ai joué au rugby pendant 15 ans de ma vie, à haut niveau pendant 13. Le leadership, tu ne l'as pas. Mais tu ne vas pas nécessairement chercher de capitana. Par contre, tu vas chercher du leadership, quoi. Tu vas chercher de la crédibilité auprès de ton collectif, de ton staff, pour faire comprendre que tu as un papa et que tu devrais t'imposer comme un titulaire à part entière. Et ça, je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y en ait beaucoup qui le fassent. Quoi. Ils se laissent vivre, ils se laissent porter. Dans leur fond intérieur, ils le sont. Oui, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, on parle d'accompagnement psychologique. Mais aujourd'hui, dans tous les clubs, ils l'ont. Je pense qu'on l'a aussi, mais qu'ils le fassent, enfin, qu'ils se fassent accompagner. À un moment donné, c'est des fois des mots, hein. Des mots pour soigner les mots, on le dit, hein. C'est tout simple, des fois. Les mecs, ils sont pros, ils gagnent bien leur vie. Si le club ne le fait pas, ils n'ont qu'à se payer un coach. Demain, ils ont journée jaunarde, d'ailleurs, à Montluçon, effectivement. C'est quoi les journées jaunardes? C'est une boîte du Ricard, c'est quoi? C'est d'aller dans les clubs de la région. C'est ce que j'ai fait avec eux, moi, à Saint-Flour. Tout à fait, à Saint-Flour, voilà. Donc là, c'est une journée jaunarde à Montluçon. Donc espérons que... Sauf que là, ça doit être dur pour eux. Le stadium de la Loue. Ça doit être compliqué d'aller... Ils vont où, là, tu disais? À Montluçon. Donc au stadium de la Loue, ils vont... Les journées jaunardes, quand t'es pas en instance de briller et t'es pas au niveau des résultats, je veux dire, tu dois arriver là-bas, la queue entre les jambes, j'ai de le dire. Mais là, il faudra. Mais bon, il faut assumer. Justement, ils vont assumer, ils vont s'entraîner là-bas, donc au contact des petits clubs aussi, donc c'est très bien. Et on va en parler d'ailleurs, on fait un petit tour rapide, très rapide, on va regarder juste le classement de la Pro D2 pour faire un point, parce qu'on y tient. Jean-Luc ne voulait pas qu'on en parle ce soir. Il est énervé, il a eu un résultat qui l'a contrarié. Non, où je suis surpris, on va encore parler d'un numéro 15 qui coach l'équipe de Grenoble, et c'est que Grenoble, que tout le monde voulait enterrer en début de saison, leur avait enlevé des points, etc. Ils sont allés battre Vannes à Vannes, quand même. Le leader, et qui reste leader ex aequo avec Béziers aussi, on n'aurait jamais donné Béziers en haut du classement aussi cette saison. Hein. Oui, ils seraient quand même derrière Vannes, hein, s'ils avaient les 12 points qu'on leur a enlevés, Grenoble, hein, parce qu'ils sont à 52, ils seraient à 64, tu vois, ils seraient derrière, ils seraient quatrième. Bon, nos Cantalous... Donc, quant à Louis, ils s'accrochent égal à eux-mêmes. Mais il ne faut pas qu'ils aillent à l'extérieur. À l'extérieur, ils se font punir. Ils ont du mal à l'extérieur. Oui, mais c'est dommage. Tant qu'ils gagnent à Jean-Alric. Ils ont perdu chez le dernier, quand même, ce week-end. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont allés perdre à Rouen. Quoi. Oui, ils se maintiendront. Non, je pensais qu'ils avaient gagné, ils restaient dans les six. Alors qu'ils avaient quand même marqué un petit peu ce déplacement. Bah oui, tout le monde le marque. Ils avaient marqué. Montauban, c'est Montauban, ils ont du souci à se faire. Montauban, Johan Dallariva, qui est le DG que je connais bien, hein. Il doit avoir des nuits blanches. Et Brive avec le petit Boudou au talonnage, là, il s'accroche et ils sont remontés au classement aussi. Nevers, parce qu'ils étaient mal. Nevers, c'est une équipe que j'aime bien. Nevers, c'est solide. Nevers, hein, bien belle équipe. Si on arrête, allez, on se remue un peu le couteau dans la plaie, là. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas nous dire? On va jouer qui en barrage? Si on arrêtait aujourd'hui. On jouerait Brive en barrage. Qui on jouerait? Parce que Vannes. Brive en barrage. Vannes-Béziers accueil. Et puis là, ça se joue entre Aix-en-Provence et Brive. Mais tu penses à Brive, Jean-Luc, dis-le. Tu penses à Brive. C'est loin d'être joué, quand même. Mont-de-Marsan, Nevers. Et après, tu vois à peu près quoi. Ouais, mais c'est loin de jouer, il a raison. Imagine que ça ne bouge pas, on revient à l'ancien, à un Clermont-Béziers. On peut toujours ça imaginer. Ça pourrait être rigolo. Ouais. On peut toujours imaginer. Ça serait surtout un Béziers-Clermont même. Parce qu'il faudrait aller là-bas, je pense. Ça sera en terrain. Mais Béziers aussi, ils font une belle saison. Hein. On parle de Vannes. Ouais, mais Béziers, ils reviennent de loin. Il ne faut pas oublier que ce club, il y a 2-3 ans, il était aux portes de la relégation. Hein. Bon, on regarde les résultats régionaux maintenant qui sont divers et variés. Ils sont où? Ils sont là? Non, voilà. Ils ne sont pas là. Donc, je ne sais pas si Gisten a le visuel des résultats. Parce que, donc, Issoir s'est imposé avec le bonus offensif contre Serré. Donc, voilà, on les a.
Donc ça a été laborieux, mais ils ont arraché ce bonus offensif, je crois quasiment dans les dernières minutes, en renversant un peu le match. Ils ont honoré la mémoire de Michel Dumoulin. Voilà, voilà. Et donc en Fédéral 2, ben, le Puy a gagné, hein, Jean-Luc. Ça a été un peu difficile, dans des conditions difficiles, mais ils ont gagné, ils revenaient d'une défaite. Je pense que cette victoire déjà permet d'assurer le maintien, voire d'assurer de rentrer dans les six pour faire des phases finales. Je fais un petit coucou, parce que j'ai vu qu'en début d'émission, oui, il y avait mon coprésident Fraisse qui me souhaitait un bon anniversaire. Voilà. Donc je vais failloter, je vais le remercier. Depuis qu'ils se sont renforcés au niveau du staff avec l'arrivée de ce Jean-Luc Blanc. Voilà. Depuis qu'il y a Jean-Luc Blanc, oui. Une recrue de poids. Ça tourne. Au Rion, des bonnes nouvelles malgré tout. Rion a accroché un précieux bonus défensif contre 4 cantons, qui était quand même le troisième de la poule, enfin qui est une équipe très solide. Donc ils continuent leur route. Ouais. Oui, c'est où Anglette, Non, c'est à proximité d'Agen. Ah ouais. 4 cantons, c'est qui est-ce qui était sous l'équipe d'ailleurs? Ben Bello. Bello venait des 4 cantons et le demi de mêlée d'Oyonnax vient aussi des 4 cantons. Voilà. Cassan, Charlie. Voilà. D'accord. Et les Cournonnais ont fait un gros match parce qu'ils ont battu Bourges. Donc qui est une très grosse équipe aussi. Donc ils continuent de s'accrocher sur le haut du classement. C'est des chauds aux fesses. Hein. Ouais. Alors c'était à Ampuy par contre. Ah d'accord. Okay. On n'a pas pu corriger. Bien, mais très bien, bravo. Un bon résultat. Bravo Lilian. et donc Vichy qui a gagné le derby de l'Allier. Ouais, sauf que la semaine d'avant, ils avaient perdu l'autre derby de l'Allier. Ils avaient perdu à Montluçon. Effectivement. Et je crois que c'était leur première défaite de la saison pour les Vichysois. Ouais. Ouais, comme quoi, les derbys. Il hein. Faut les jouer, les derbys. Hein. Voilà, donc ben, de toute façon, ça va se jouer après. Cournon va jouer pour une qualif et pour une éventuelle montée. En Fédéral 3, ben, Vichy va tenter de remonter juste après être descendu. On ne parle pas des filles aujourd'hui. Le CUC peut jouer. Les filles ne jouent pas. Il y a avec la réserve qui joue. La réserve va jouer, ouais. Ah oui, puis il y a le tournoi, pareil. C'est... Ben, elles ont une grosse coupure. Là, oui, elles vont attaquer le tournoi. Les filles ont été préparer le tournoi et appelées. Et elles rattaqueront par la Coupe de France, d'ailleurs. Ah, il va reprendre là, ce championnat un peu bizarre. Ah, il y a la Coupe de France en... Oui, il y a une Coupe de France chez les filles, ouais. Très bien, je ne savais pas. Donc, du coup, voilà, pour les résultats régionaux. Donc on n'a plus maintenant qu'à conclure et puis surtout, croiser les doigts pour que dans 15 jours on débriefe, on retrouve le sourire et on n'est pas mangé la poule au pot. Voilà, il faut déjà aussi que le public se mobilise parce que dans ces cas de figure là le soutien du public est primordial. C'est la victoire clair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Hugo Mola post Perpignan. Ouais. Il a loué les valeurs du public catalan qui a souvent été vindicatif. Pour pas dire le contraire, mais ouais. Là il a dit clairement que le public catalan avait joué un rôle primordial dans la victoire Pour avoir regardé le match, on a l'impression qu'ils ont poussé avec eux dans les. Autour de cette table, vous avez tous fait du sport et du rugby pour la plupart, et vous savez comme moi que l'effet public, surtout au Michelin, hein, quand on joue sous le maillot jaune et bleu dans cette belle enceinte qu'est le Michelin. Le public a un rôle, c'est vraiment le 16e homme. Quoi. Bah c'est clair, quand on voit... En gros, j'appelle les gens... C'est sûr qu'il faut se mobiliser, et puis on voit que les gens sont mobilisés, parce que ce week-end, avec le temps pourri qu'il y avait, le public s'était mobilisé quand même, parce qu'il y avait quand même 14 500... Je dirais qu'il faut même, on peut même féliciter ceux qui ont des abonnements au premier rang ou qui avaient acheté des places au premier rang, parce qu'ils ont, ont fini trempés. Ils ont fini trempés. Ah, mais c'est sûr, Donc voilà, ça pourrait être un discours pour les joueurs aussi. C'est clair, au moulet des discours, mais ça manque pas. Je pense que les discours... Il y a plein de leviers, je pense. Je pense que les mots... Et les leviers sont faciles. Hein. Ouais. Oui, et puis alors, oui, pour finir, bon anniversaire à notre Jean-Luc, effectivement. Ouais. Hein, 50 ans, c'est pas tous les jours. Et par contre, c'est vrai. Alors j'en profite... Ça va être l'heure de l'apéro. Ça va être l'heure de l'apéro. Et j'en profite, d'ailleurs, avant que j'oublie, je vois Michel Chevalier qui est connecté. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, le speed rugby du vendredi... 22 à Mirefleur, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pour la bonne cause, les bénéfices seront reversés à l'association Rêve qui réalise les rêves des enfants malades. Donc voilà. J'étais là le 22. Donc le 22, on compte sur vous pour venir passer un bon moment avec nous.
C'est le seul moment où vous pouvez jouer contre Jackie sans risquer de prendre un doigt dans l'œil. Alors là, tu t'avances un peu trop. Si jamais il perd, il est capable d'emplâtrer là. Donc, surtout, venez à Mirefleur pour la bonne cause. On vous attend. C'est un compétiteur, attention. Jérôme Martin qui parle de brûler des bougies et des cierges. Je te rappelle, Jérôme, que Lourdes est plus près de Pau que de Clermont-Ferrand. Oui, écoute. Oui. Et on ne va pas compter là-dessus, on va compter surtout sur une belle réaction de nos joueurs, parce qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut rester avec eux. Voilà, on vous dit à dans 15 jours, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. J'ai repoussé forcément le gain des maillots compte tenu du moral actuel. Donc on va attendre la victoire contre Pau, et derrière, promis, on lance le jeu concours. Donc il faudra être abonné à la chaîne YouTube No TV, il faudra être abonné à la page Recarverne, bien sûr. Vous vous abonnez et vous partagez à tous vos amis. Et puis vous partagez à tous vos amis, comme ça, faites-nous connaître et vous aurez une chance de gagner un beau maillot. On va aller avoir Sival. Allez, ciao à toutes et à tous, et bonsoir, puis on vous retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.